Normalement, ils sont à l'arrêt de bus. Ah, ben je les vois, parfait ça. Et salut les amis! Bonsoir! Comment vous Salut! allez? Bien, On bien! va bien, on va bien. Tranquille! Regardez tout le monde qui vient d'arriver. Voilà, Jessica, regardez le camping Ah! où on va se balader. Hop, voilà. Ok, alors c'est pour une vidéo 24 heures dans le camping, hein? On connaît! Hein, abonnez-vous, followez-vous, mettez des cœurs. Enfin, mais non, c'est pas Instagram les cœurs, c'est. Attends, YouTube, Des likes, des c'est les likes. quoi? C'est des Des likes. likes, des Mettez des commentaires. likes, abonnez-vous. Je suis avec un grand YouTuber ici. C'est quoi déjà ta chaîne? Moi? Alexandre, ouais. Ma chaîne, c'est Known. Ok. Et vous avez une chaîne, les filles? Nope. Non? Et toi, c'est quoi ta chaîne, Jessica? Et ma chaîne, c'est Quinzel, abonnez-vous! Et t'as Likez oublié. en masse, 24 heures dans le camping! Ok. Hop. Bah alors, vous avez vu le bus? J'ai Oui, acheté avec il est la magnifique. YouTube Money, hein. Ah, Oui. les YouTube monnaies, c'est pratique, hein. Ah, c'est très Magnifique. très très pratique. D'ailleurs, il faut que tu mets en description, il faut faire un don car il faut qu'on paie l'essence du bus, ça coûte 60 euros. J'ai pris un crédit à vie pour acheter ce camping. Faites des Mais dons. non, comme... Voilà, faites des dons. Ok, bah du coup, il faut qu'il y en ait deux qui se mettent assis derrière, ici et là. Et Vas-y, je argent. vais aller derrière. Ouais, ici aussi, regardez. J'ai pas vu, mais il y avait un siège juste là aussi, regardez. Où Ah, ça? voilà, comme ça, ici, là. Là. C'est quoi Oh, là-bas voilà. derrière? Ah, oh, y a un lit! Moi, je suis sur le lit. Ok. Ah, C'est bon, c'est tout le beau monde la est vie installé, on peut y d'artiste. aller? Yes. On peut y Oui. aller. C'est parti. J'ai regardé sur la carte où était ce nouveau camping. On y va, on va bien s'amuser. Et à droite. Hop. Vous avez tous pris des tentes et tout là. Tout est dans le camping. Bon, j'ai même pris des chamallows. Ah, Ah, c'est c'est bon les bien chamallows. ça. Ah ouais, on va se faire des chamallows ce soir. On va faire le petit feu. Allez. Mais pourquoi on dort pas dans le camping? Il est luxueux le camping. Hop. Mais c'est pas drôle sinon. Oh. T'imagines, pour la vidéo, c'est plus intéressant si on met des tentes et tout. Vas-y. Et on Ouais. est arrivé. Ah, oh, bah je crois qu'il y a le gardien. On va aller le voir pour l'avertir qu'on va rester. Bonjour. 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 Hé Oula. Vous allez bien, monsieur? Ça va et où? Tranquillement, hein. Bah, écoutez, on s'installe pour la Ah, soirée. je vais, je, ma petite dame, je te permets de te couper la parole là. Parce que là, t'as vu comment t'es gaillé? T'as vu comment t'es gaillé? Tu vois pas, il y a des Oh! i pâtés. Il y a des i pâtés. Il y a des i pâtés. Mais va te gailler au lieu de rigoler là. Va te gailler. Regardez les amis, Là, ne vous regardez, je suis inquiétez avec le pas. gardien. Il a Ah une oui, il est vraie là. arme derrière le dos. Une vraie arme. Regardez. Clairement. Non, Pas c'est très faux. C'est malin. faux. J'ai gagné au fouet. J'ai gagné à la fête fouet. À la fête au foin? À la fête fouet. Est-ce que vous Ah, avez la coupé fête le fouet. foin au moins? Non, j'ai pas coupé foin. Est-ce J'ai que le gagné à fête foin, il a foin. pris feu quand vous l'avez coupé? Bah non, j'ai Votre crâne mangé. aussi, il a pris feu. Ah, vous avez mangé le foin. Bah ouais, j'ai bien mangé. Et puis après l'humidifier avec ma salive, après ça glisse tout Alors, seul. monsieur, je veux pas vous Oh. vexer, mais est-ce que vous êtes un cheval? Quoi? Est-ce que vous êtes un cheval, monsieur? Mais je reconnais, ça c'est Non, un j'ai. bruit de la rage des chevaux, ça, ce que vous venez faire là. Ah oui. Clairement. Bon, Ah oui, vous écoutez, avez pas de nom, hein. vous commencez à m'étouffer là. Oh. Du coup, est-ce que vous pouvez vous garer? Parce que vous Monsieur, étouffez. monsieur. Je vous ai toujours pas garé, je stresse, je vais commencer à tirer partout. C'est Ah, bon, là, calme. bah, votre ami vient de rentrer dans votre ami. Quoi? Quoi, Non. monsieur? Bah, monsieur. Écoutez. Monsieur, Voilà, je suis encore parfait. mineur, je ne comprends pas vos propos, monsieur. Bah, en fait, la dame là, elle vient de rentrer dans la dame là. Mais la Avec une dame, elle a dame, des bien cheveux tellement épais que ça a fait airbag, comme mon ventre. Ah, c'est donc ça la vie des adultes. Bon, bah, Des couverts en nombre. écoutez, mes petits enfants là, mes petits hauts là. Bienvenue au camping, c'est trop le fun. Du coup, installez vos tentes et faites votre vie. Moi, je suis juste là pour vous protéger. Parce que je suis un protecteur de la nature. Bien sûr, C'est bien sûr. trop le Mais quoi, vous monsieur? parlez quoi? Monsieur, c'est trop le quoi, vous avez dit? C'est tout fait. Ok, le foin. C'est tout le fait. D'accord. Ok, bah c'est bien le foin. Et Les gens eh, n'arrêtent de pas eh, eh, manger. c'est trop le foin, c'est la co Ouais. coutume locale, il dit ça ici, c'est trop le foin. Allez, c'est parti. Il est un peu bizarre quand même. Oui, on Dites, l'aime bien. monsieur, on peut allumer des feux ici, y a pas de souci. Moi, je vais appeler ma femme. Tu vas appeler ma femme.
Monsieur le gardien, wow. Monsieur vient de m'embrasser. Il vient de m'embrasser. C'est le premier baiser de toute ma vie. Ouais. Eh bien, écoutez, Alexandre a eu son first smack. French kiss. Bon, les gars, j'ai fait cette vidéo parce que je crois que je suis tombé amoureux. Pour vous dire que il a une belle barbe. Est-ce que je le marie ou pas? Je fais le challenge sur Instagram. Vous prenez les décisions 24 heures sur ma vie sur Instagram. Vous votez oui ou non. Est-ce que je dois prendre en mariage monsieur ou pas? Oui, marie-le. Hein. Bon, on va attendre les votes tout à l'heure. C'est pas qu'on vous aime pas, monsieur, mais bon, vous êtes adulte et nous, on a envie vous s'amuser vous un peu. Parce que vous m'ennuyez un peu, vous pouvez chier. Allez, ok, on y va. D'accord, monsieur. T'inquiète pas, moi je t'aime de mon cœur. Moi je prends l'arbre. Maxi danse. Quoi? Elle a disparu. What? Ok. Oh, c'est une donc ça, Narnia. Harry, tu es un sorcier. Hein? Oui, excusez-moi. Donc ici, on a un petit feu là. Pour du coup, nos petits marshmallows, tout ça. En fait, on dit des marshmallows ou des marshmallows? Marshmallows, je crois. Marshmallow, comme le Didier. Marshmallow. Ok. Ok. Alors, hop, moi je sors, vu que tu vois, j'aime bien graille, hop. Ah. T'as sorti ça d'où? T'as pas de sac. C'est pas RP tout ça. Et toi, tu l'as sorti de ta guitare, ton marshmallow? Effectivement, c'est une partie de ma guitare qui est conçue expressément pour ça. Ah, t'as arraché un bout de ta guitare pour faire un bâton pour le marshmallow? Parce que j'aime bien les bâtons. Ok, intéressant. Je prends note. Bah moi, je sors ça de mes cheveux. Oula. Ah, toi, c'est pour couper le bois, c'est ça? On va faire une cabane. C'est pour couper le foin? Est-ce que c'est pour couper le foin? Non, c'est pour couper la tête du vieux monsieur là-bas. Mais non, écoutez... Clara, elle va nous fabriquer une cabane avec sa hache. Les amis, un like égale un arbre abattu. Allez-y. Et on va coller les morceaux de la cabane avec les marshmallows. Vive le Nutella et l'huile de palme. Vive la pollution. On adore ça. Enfin, surtout quand on prend un camping-car. D'après les sondages Instagram, je dois prendre le monsieur comme époux. Ah, bah c'est parfait tout ça. Ah, je vais faire des marshmallows, regardez. Voilà, Juste regardez ça. Il est bricoleur, le monsieur. Waouh. Wow, marshmallows. Il a tout. Il sait tout faire, regarde. Il va bricoler. Il va monter vos meubles IKEA. J'en ai pas. Ah, là, faut investir. C'est vrai, mais j'ai pas du tout monnaie aussi. Ah bah faut ouvrir une chaîne YouTube et après on fera des 24 heures. 24 heures bloquées dans un IKEA. 24 heures bloquées avec le gardien. C'est donc ça la virilité masculine. C'est un battle de yeux. Oh bah commence à se coucher le soleil là. Je propose qu'on commence à monter nos tentes. Moi je propose qu'on fasse un petit balayage de ce monsieur. Ah toi tu vas faire le ménage et tout. On met où la tente ici? Bah je pense que là c'est bien. Ou c'est là? Si, c'est quoi? C'est un parking ici. Ouais. Bah c'est pas grave, on dort sur le parking, non? Ah bah voilà. C'était rapide et... Et voici. Moi je vais mettre ma tente près du feu, comme ça elle va cramer vite. Ok, petit sac de couchage. Hop. Bon, ce soir, voilà. J'ai tout prévu. On va se poser autour du feu et on va raconter des histoires qui fait peur avec des marshmallows. Ah, moi, parfait. Bah, du coup, on va venir à celui d'ici. Il est plus près de nos tentes, non? Ouais, total. On va se raconter des histoires d'horreur. Ah. J'ai cramé ma tente. Bon, heureusement que le feu était pas allumé. Attendez, je remets ma tente ici. Hop. Voilà. Un like, il y a une tente achetée. D'ailleurs, pour commencer, je vais commencer à raconter une histoire qui est effroyable. Vraiment effroyable. Vas-y. Un jour... Mets-toi devant le feu, comme ça fait genre avec la lumière sur ton visage et tout. Hop. Un jour, il y a eu l'histoire
quelqu'un qui s'appelait Kiki Roblox. Joli prénom. Kiki Roblox était un youtubeur. Mais malheureusement, une triste sort l'abatta. Quelqu'un l'a maudit. Et sur toutes ses vidéos, il avait des statistiques. Écoutez-moi bien. Des statistiques à la baisse. Genre, à la place de faire des vues, il faisait des moins vues, quoi. Oui, il faisait des moins zéro. Ah, et ben là, il n'y a pas de doute, hein. Et à chaque fois, il avait 666 dislikes. Effectivement, alors qu'il n'avait que 54 abonnés. Incroyable, ça. Et c'est un record du monde. Il a commencé à stresser en voyant toutes ces statistiques. Tous les jours, il voyait que ça. Et un jour, pendant qu'il dormait à sa fenêtre, il entendait Kiki Roblox, je me désabonne de ta chaîne. Il entendait ça dans sa chambre. Oh mon dieu, le cauchemar. Toutes les soirs, il entendait ça. Il pleurait toutes les soirs. Il voyait sa chaîne qui montait pas. Et tous les soirs, il entendait des haters à travers sa fenêtre qui disaient Kiki Roblox, tes vidéos sont nulles. Kiki Roblox, dislike. Eh ben... cette histoire est... Jack. Le pauvre. Oh. Quelle histoire effroyable. On va faire des cauchemars. Pour terminer cette histoire, tout ce que j'ai à vous dire, abonnez-vous à la chaîne de Nod, merci. D'accord. Voilà. Et vous, les filles, vous avez une histoire d'horreur ou pas? Non. Je crois pas. Attends, je vais aller chercher sur mon téléphone, hein, peut-être qu'il y en aura... Comme d'hab, sur Google. Sur quoi, okay. Google? En attendant, moi, je vais raconter une petite histoire. Hop là. C'est l'histoire... Attends. D'Esther. En fait, il y a une application qui s'appelle Movie Star Planet. On peut jouer dessus et créer des profils. Et qu'est-ce du coup, en fait... Pardon ? Qu'est-ce que cette application ? Je sais pas, mais c'est pas fou. Hein. C'est Movie Merde Planet. D'accord. Et en fait, à un moment donné, la fille qui jouait s'est fait contacter par une fameuse Esther. Elles sont devenues amies sur le temps, mais au fil du temps, malheureusement, en fait, ou bien heureusement plutôt... Cette jeune fille qui avait commencé à jouer sur Movie Star Planet a retrouvé une vie sociale. Elle avait des amis, etc. Esther, étant devenue jalouse qu'elle passait moins de temps avec elle, a contacté tous ses amis pour les mettre en froid avec elle. Ils se sont disputés. Mais à un moment donné, la jeune fille s'est dit « Mais attends, pourquoi elle s'est rendue compte qu'Esther avait été sur son profil et avait parlé avec ses amis. » Et elle s'est disputée avec Esther. Et le soir même... Les parents montent dans la chambre de la jeune fille et ils remarquent l'écran allumé de l'ordinateur. Mais la fille avait disparu. Ta-da-da-da. Nanana. Oh, pleure pas. Je vais faire des cauchemars. Alexandre, ouais. D'ailleurs, il est quelle heure, là? Il va être 9h. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher, quand même. Hein. Sauf si vous avez une petite dernière histoire. Ah non, non. Non. Oh, mais t'inquiète pas, Alexandre, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Alexandre, tu es fragile, moi. En tout cas, si vous avez une fille qui s'appelle Esther qui vous demande un ami sur cette application, faites très attention à vous. Pas mais qui est sur cette application dès le début. Ouais, alors... aussi. Oh. Non, n'installez pas l'application, c'est plus simple. Esther, aussi. Esther, retirez un ami. Oh là là, comment faire retirer un ami? Ah, quoi? Ok les amis, on s'est raconté des histoires d'horreur autour du feu. Voilà, il commence à se faire tard, je commence à bailler, je commence à fatiguer. Et j'ai construit les tentes. Du coup, on va aller se coucher tranquillement. Hein, n'est-ce pas monsieur le gardien? On va aller se coucher tranquillement. Ça monsieur le gardien, vous... Quoi? On va aller se coucher, monsieur le gardien. Faites attention à mon camping-car. Ah oui, d'accord. Bonne nuit. Il est bien sur nous, hein. Oula. Il embarque. Il est au Tiffaine. Tiffaine, où tu vas, Tiffaine? Tiffaine, reviens. Oh, ah bah je t'avais pas vu. Ah. T'es tellement légère. Tu vas bien? Encore un peu, t'as allé passer sous ma truc et t'as allé mouiller. Tu as subi des collages, des dommages collatéraux, pardon. Tu feras attention, il y a du caca sur ton masque.
quand t'es tombé dessus. Ah ouais. J'ai pas compris, mais si tu veux, mon petit lapin. Monsieur, j'ai une question. C'est vous qui avez fait caca ici? Alors, non, j'ai pas. Alors, déjà, c'est pas mon caca, d'accord? C'est mon vomi, d'accord? Et c'est tout simplement parce que. Monsieur, je crois que vous avez un petit problème, hein? Non. J'aime manger mon caca, c'est bon. Oula. Je crois qu'on va aller se coucher, hein? Oui. Ok. Pendant loin tout de ce temps, homme, je croyais que j'étais seul qui aimait manger mon caca. J'ai découvert que j'avais pas. Oh, c'est bon. Quoi? Oh, vous m'avez entendu? Non, non, j'ai rien dit, hein. Oh. Ils m'ont entendu, merde. On a été scandaleux. En tout cas, ça fait plaisir. Attendez, je vais juste faire une petite story pour Instagram avant d'aller dormir. Et salut les amis, c'est Quinzel. Voilà, coucou. J'espère que vous allez bien. Là, on va faire un petit somme. La nuit est tombée, il fait nuit noire. C'est flippant quand même, hein. Et j'ai l'impression que l'air rentre dans ma tente. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que ma tente est pas mal trouée. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je pensais qu'en fait, des deux côtés, c'était censé être fermé. Mais je sais pas pourquoi c'est ouvert. Mais bref, je pense que voilà, les tentes quechua, c'est pas trop ce que c'était, hein, 2021. Voilà, ça perd de la qualité, hein. Voilà. Allez, bonne nuit à vous. À demain pour la fin de cette vidéo 24h. Ah. Il pleut. Au secours. On rentre dans les tentes. On fait quoi? Oh mon dieu, l'orage. Non, j'ai peur de l'orage. Au secours. C'est calme, moi. On rentre dans les tentes. Bah, venez, mettez vos tentes ici au pire. Ah, je prends mon sac de couchage. Enfin, vos tentes, vos sacs de couchage, vous avez compris. Ah, moi, je viens avec plaisir. Ah non, ne te mets pas la bitch. Pas ici. Tu vas y arriver. Là, on est pas mal. Hein. Ah, je suis à l'abri, c'est plus rassurant. Voilà. Comme ça, ça fait vraiment genre comme vraiment les vraies soirées au camping. Bah, dis-donc, c'est qu'il ronfle. Hein. Attends, je ne reconnais pas sa voix. Qui est-ce? Est-ce le gardien ou est-ce une petite Alexandre? Vous avez entendu? C'est Alexandre. C'est Alexandre. Fantôme. Alors, je peux vous conseiller, prenez des. Je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fiche, et bouchez-vous les oreilles. Parce que sinon, ah, les. Ouais. Mais je pense que c'est Alexandre là, il doit inspirer très fort. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est inondé, au secours! Ouais. Ça inonde. Jessica, je crois que cette nuit vient au cauchemar. Ah ouais, non mais clairement, on n'avait pas prévu, hein. Non mais, le pas il était censé faire beau. On a regardé la météo, ça annonçait 30 degrés cette nuit, avec un beau soleil. Oh mesdames, messieurs. Oh, excuse-moi, je te marche dessus, toi. mesdames, messieurs, je vais devoir vous suggérer, malheureusement, de me suivre. On va se réfugier dans une grange, il y a des risques d'inondation malheureusement. Ok, ça marche. Je vois très bien ça, hein. Mais du monsieur, coup, je sais pas, c'est plus des risques là. Ah oui, non mais là faut bouger très vite, suivez-moi, prenez votre camping-car et fuyez. Ouais, ensuite monsieur. On prend le camping-car, qui conduit? Installez-vous. Ouais. Bah non, c'est Alexandre, c'est qui conduit. Bon. Ok. Il démarre plus le camping-car, hein. Ah non. Il est bloqué par la boue. Ah mon dieu. Oh mon comment dieu. Ah bah malheureusement, vous allez devoir monter. Je vais monter avec toi. Hein. Ah zut alors. Zut. Montez. Venez, montez. Ah ouais, il est bloqué par la boue. N'ayez pas peur. Ah, il reste une place. Qui ne pourra pas finir. Ah, il reste une place. Mais attends, je vais essayer de le faire bouger. Oh non, Tiffen. Ben. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon, on peut y aller. Suis-moi, vite. Attendez, installez-vous. J'ai un petit souci. Oui. Je monte devant. Attendez, je me décale, installez-vous. Ok, parfait. C'est bon, on peut y aller. On laisse le gardien tout seul. Ah non, c'est bon, il me suit. Ah non, bah dis donc. Alexandre, arrête de dormir. Ouais. On a quand même failli rentrer dans la voiture d'un inconnu, hein.
Oui, non, mais oh, mais je suis dit, bah, dis donc, je vois même plus sommeil. La route. C'est après ce que je vois, l'eau va bientôt arriver au moteur. Hein. Donc, si l'eau arrive au moteur, le camping-car. Ouais, faut vite qu'on atteigne la grange avant. Pour ça, on part dans la grange. Mais du coup, le challenge 24 heures, il est gâché. Non, oui, on fera un challenge 24 heures dans une grange, c'est pas grave. Ah, c'est pas faux. Ça fera des vues, c'est pas grave. Donc, on va s'installer ici, je pense, parce que il là. Rentre en bas. Non, aïe. Ça rentre pas. Vite, venez, venez, dépêchez-vous, Vite. Rentrez. Bon bah, ça se transforme en 24 heures dans une. Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner là? Je vais sécuriser la zone là. J'ai besoin de main d'œuvre. Bah, vous êtes celui qui est censé nous protéger, hein, vous vous débrouillez. Hein. Ah, viens avec moi, aussi. Bon, alors les amis. On sort. Bon bah, les gars, autant sac de couchage. Ouais, bah dis donc. Hein. C'est je pensais pas qu'on allait finir comme ça, mais attendez, du coup, je vais prendre ma petite, mon petit téléphone. Eh bien, écoutez les amis, ben pour la vidéo, ça part un petit peu en cacahuète là. Sachez qu'on s'est mangé une inondation, regardez dehors, regardez derrière moi, c'est rempli de boue, c'est horrible, c'est dégueulasse, tout de sale. Oula. Vous avez entendu? C'est quoi ça? Vous avez entendu? Dans la vidéo, vous avez entendu? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Il recommence. Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Restez à l'intérieur, il y a une personne vraiment bizarre dehors. Oh mon dieu! Sérieusement? Oh mon dieu! Ah. C'est pas la nuit qu'on avait prévu, hein? C'est horrible! Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé à Alexandre? Je sais pas. On l'a entendu hurler. Il faut que quelqu'un y aille, mais moi je retourne pas là-bas. On y va à 4? On y va ensemble? On y va tous. Vous êtes allé où, monsieur? Il était venu derrière le bus. Ok, allons-y. Moi, je dis, on prend un parapluie. Alexandre! Oh, il ne répond plus. Alexandre? Oh mon dieu. Il est fou. Allez, désolé, j'écrase le corps, vite, viens. Coucou petite. Tu veux voir mon cadeau? Désolé. Tu veux voir mon cadeau? J'espère que vous vous en sortirez. Je vais invoquer le Grishkom pour toi. Arrête-toi, petite. Ah, je l'écrase. Ouvre cette porte. Je suis sale, au secours. Aidez-moi. Je suis trop précieuse. J'ai écrasé Alexandre tout à l'heure. Arrête-toi. Vite, monte. Bon, j'en aurais sauvé au moins une. Ah. Vite. Enfuis-toi. Vite, je rentre à ma maison. Faut appeler la police. C'était pas la nuit qu'on avait prévue, hein. Non. Vite. On rentre. On rentre dans la police. Oh my god, une arrive. S'il vous plaît. Moi, y a pas de policier. Vite, viens, il faut se cacher. Vite. Mais te cache pas. Ok, je me cache là. Je suis invisible, je suis un placard. Moi aussi. Je prends un fusil à pompe. Moi aussi. Arrêtez-vous! Tire! Tire! Allez, voilà! Arrêtez! Ah, voilà. Encore! On sait jamais! On sait jamais!
Je vais l'écraser, pour être sûr. Ah. Vite. Voilà. C'est bon, j'arrive. Oh. Ok. On se casse. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Barre-toi. Attends, allez, on y va. Vite, barre-toi. Ah. Eh ben. Ah ben, pleine de rebondissements cette journée. Hein. Eh. Ok. C'est triste, on aura perdu de nos amis. Je vais m'arrêter là. Hop, allez, abonnez-vous. On a survécu à cette journée. Bon, il n'y a que Clara et moi qu'on a survécu. Les autres sont morts. Mais bon. Ah, Sophie, je vais te dire en fait. Ouais, c'est vrai en fait. On s'en fout un peu, non, genre. Allez. C'est bon, Sophie, les autres. On est les bestes, hein. Voilà. Thank you.